Élise Lucet, Marie-Maurice, bonsoir à toutes les deux. EHPAD, l'heure des comptes, c'est le titre de cette enquête qui sera diffusée ce soir et dans laquelle, Marie-Maurice, vous vous avez infiltré un établissement du groupe Korian, engagé sans expérience aucune et immédiatement affecté au service des aides-soignantes. Autrement dit, dès le premier jour, on vous a demandé de faire la toilette de 11 résidents en une matinée. Oui, ben c'est le quotidien en tout cas de cette EHPAD et c'était un peu le but de cette démarche journalistique justement, c'était de voir si Korian pouvait embaucher des gens sans diplôme ni formation. Nous, on a été très clairs dès le départ, je n'avais pas de diplôme d'aide-soignant, je n'avais pas de formation, pas d'expérience en EHPAD. Et finalement, c'était le meilleur moyen d'aller sur le terrain pour se confronter au quotidien de ces soignants et de ces résidents. C'est-à-dire des toilettes qui, normalement, devraient être exécutées entre 20 et 25 minutes, doivent durer 8 minutes. Les vraies douches, c'est une fois par semaine. Et encore dans des équipements dangereux, on l'a vu, on vient de le voir dans cet extrait pour les résidents. On entend, par exemple, des phrases, là, on est en manque de personnel, madame, alors faites pipi dans la protection, d'accord. Et cette situation, ça désespère les équipes soignantes, d'abord. Elles sont épuisées. Elles sont même un peu plus que ça. Moi, je dis qu'elles ont l'impression qu'à un moment, leur métier n'est pas le métier qu'elles aimeraient faire et qu'elles ont envie de faire. Ce reportage et cette enquête de Marie, notamment cette infiltration, n'est pas du tout fait pour jeter l'opprobre sur le personnel soignant. Ces gens qui sont dans les EHPAD font, je pense, vraiment le maximum. Et ce n'est pas le énième reportage sur la maltraitance en EHPAD, parce qu'on en a beaucoup fait, Envoyé spécial à Pièce à conviction, il y a eu le livre de Victor Castanet aussi. Mais là, ce qui nous a, nous, intéressés quand on a lancé ce reportage avec Marie, Emmanuel Gagné et Sophie Le Gall il y a un an et demi maintenant, c'était plus sur le système financier, c'est-à-dire pourquoi on assistait à cette maltraitance institutionnelle, parce que c'est de la systémique. Systémique dans les EHPAD, et est-ce que c'était un business model qui finalement aboutissait à ce genre de choses dans les chambres des résidents et dans toutes les familles qui ont des résidents aujourd'hui dans les EHPAD publics ou privés. En l'occurrence, nous, on s'est vraiment, on a axé notre enquête sur Korian et sur Domus Vie. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir dans le système Korian quel pouvait être effectivement ce business model et quelles pouvaient en être les conséquences jusque dans les chambres des résidents. On vient au business model dans un instant, notamment à travers le témoignage d'un ancien dirigeant d'une de ces maisons de retraite. Mais un élément qui inquiète encore plus, seules les infirmières normalement sont habilitées à distribuer des médicaments. Or, c'est à vous, avec quelques heures d'ancienneté, on le rappelle, à qui on le demande. Contrairement à l'engagement de Korian, contrôlé à plusieurs reprises, chaque prise de médicament est notée scrupuleusement pour garantir la traçabilité. Personne ne demandera à Marie de noter quoi que ce soit, ni l'heure. Il faut noter l'heure à laquelle elle les a prises ou pas ? Non. D'accord. Ni même la simple prise. Dans ce contexte, une imprudence peut vite arriver. C'est vos médicaments, madame Olivier ? Vous n'avez pas pris vos médicaments ? Attendez, je vais les voir avec ma collègue. Dans ces sachets de comprimés laissés ouverts sur la table, il y a notamment un traitement contre l'insuffisance cardiaque. On voit bien la dangerosité de cette situation. Personne ne vous demande de noter ni l'heure, ni même la prise de médicaments. Vous avez découvert d'ailleurs que vous n'étiez pas du tout la seule sans diplôme dans ce service. Effectivement. Et puis en fait, sur la distribution des médicaments, les règles sont extrêmement claires en fait, dans les EHPAD. C'est une mission qui est normalement dévolue à l'infirmière, qu'elle peut déléguer à des aides-soignantes diplômées. Et d'ailleurs là-dessus, Korian a été très clair avec nous. C'est-à-dire que ça ne peut être dévolu qu'à des aides-soignantes diplômées. Simplement, dans cette EHPAD, puisque justement on court après le temps tout le temps, et ben finalement, ce sont les personnes qui distribuent les plateaux repas qui se retrouvent aussi à distribuer une partie des médicaments. Des plateaux repas que vous livrez parfois vers 14h quasiment. Comme on n'est pas assez nombreux, l'opération du coucher se fait à partir de 4h30 l'après-midi pour être sûr de pouvoir mettre tout le monde au lit avant la fin du service. Des économies sur les effectifs, sur la restauration. Vous racontez qu'on va jusqu'à supprimer, ça c'est un ancien directeur d'EHPAD qui vous dit qu'il va jusqu'à supprimer les croûtes de la soupe à l'oignon le jour de la fête des grands-mères. C'est l'enquête de Marie qui à un moment a réussi, il faut le dire, parce qu'il y a des témoignages dans notre document, mais il y a aussi des documents vraiment exclusifs qu'on n'a jamais vus sur la gestion des EHPAD Korian notamment.
Et c'est Marie qui a découvert que le jour de la fête des grands-mères, on promet aux grands-mères une soupe à l'oignon avec ses croutons, et puis bah, en raison de problèmes budgétaires, on supprime les croutons le jour de la fête des grands-mères. Donc c'est vrai que ça semble... c'est symbolique, si vous voulez. Il y a eu, dans le même temps, à un moment, des substitutions de repas sur d'autres jours. Mais le jour de la fête des grands-mères, se dire on fait de la soupe à l'oignon avec des croutons pour des grands-mères parce que c'est leur fête, et leur enlever les croutons, c'est vrai que ça semble complètement dingue. Avec une obsession de la rentabilité... et des systèmes pour maximiser les marges, Pierre. Vous soulignez en particulier deux pratiques. La première, le non-remplacement du personnel quand il en manque. Ce non-remplacement, il est prévu dans le budget prévisionnel que vous avez récupéré, où l'on voit qu'une aide-soignante est censée être remplacée à 60%, une infirmière à 30% et un médecin, évidemment, à 0%. D'autres pratiques que vous révélez, là, sur les déclarations de personnel soignant afin de toucher plus de dotations publiques. Alors là, c'est le fin du fin. Votre dialogue, Élise, avec un responsable France de Korian, dit long dans les mots, dans les non-réponses et la manière de ne pas répondre. Écoutez, il n'y a pas de consigne de non-remplacement. Les consignes sont celles... Si. Non, non, ça, ce n'est pas une preuve. Les consignes... C'est un budget prévisionnel. Bah, moi, je vous donne... je vous Monsieur donne... Mérigot, je vous c'est donne... un document de chez je vous. Vous donne... Je vous donne les instructions que je donne aux établissements. On réalise des budgets en mettant effectivement des prévisions de remplacement parce que bah là, c'est sur l'année, de l'année, sur l'année, comme je vous l'ai dit, il y a des cas où on ne peut pas remplacer. Du jour au lendemain, du matin pour le soir, vous ne pouvez pas forcément remplacer. Ça, j'entends très bien. N'importe quelle entreprise est confrontée à ça, à ce problème du remplacement du jour au lendemain. Mais là, je ne vous parle pas de ça, pas je vous parle vraiment d'un budget. Bah, je vous dis non. Pardonnez-moi, monsieur Mérigot, ce sont vos documents. Hein. Et c'est pourtant bien le contraire, puisque vous expliquez que le groupe touche 300 millions de la Sécurité sociale pour la rémunération de son personnel. Oui, et donc, et parce que c'est ça qui est intéressant, et je pense que le grand public n'est pas toujours au courant de ça. En fait, tout ce qui est de l'ordre des personnels soignants, c'est de l'argent qui est là, pour le coup, versé par l'État. Mmh. Que ce soit pour les EHPAD privés, pour les EHPAD publics, c'est exactement la même chose. Donc, c'est de l'argent public, c'est l'argent de nos impôts, à nous tous. Et donc, on se dit que cet argent doit être hyper contrôlé, et bien sûr, doit être utilisé à fond, c'est-à-dire que si quelqu'un est absent et qu'on peut le prévoir dans un planning, il doit être remplacé. Si une soignante est absente, si une infirmière est absente, si un médecin est absent, un kiné est absent, c'est du personnel soignant qu'on doit remplacer puisque l'argent public abonde jusqu'aux EHPAD privés. Et on voit bien dans les budgets prévisionnels que ça n'est pas le cas. Donc ça pose problème. On se demande à un moment, et c'est une vraie question, c'est pour ça qu'on s'est interrogé là-dessus, si l'argent public ne sert pas à conserver une très bonne marge ou même à la maximiser. Et si c'est le cas, il y a une porosité entre le budget public et le budget de l'hôtellerie qui est le budget privé qui n'est pas acceptable et qui n'est pas normal.